J'ai d'abord travaillé pour le service achat de matières premières chez Timac Agro International. Donc ma mission consistait en la création d'un outil d'aide à la prise de décision. Ma première mission était chez Phosphéa en tant que chargé de mission auprès de la direction commerciale pour améliorer notre approche grand compte. Pour ma deuxième mission, j'ai travaillé dans la filiale plasturgie du groupe Roulier, qui s'appelle donc AgriPlas. Et j'intervenais en support des fonctions commerciales et je m'occupais de réaliser des études de marché, alors que ce soit de la concurrence ou que ce soit des études de prospection. Ma seconde mission était au sein du département consolidation et reporting du groupe pour travailler sur le développement du nouveau rapport RSE du groupe. Dans la continuité de ma deuxième mission, je travaille pour Phosphéa, donc qui est une filiale spécialisée dans les phosphates alimentaires, et je m'occupe plus précisément du marché du pet food. Je suis responsable développement des ventes au sein d'Innovabio, donc du Timac Agro International. Alors une anecdote, ce serait l'organisation d'un tournoi interne chez Phosphéa qui s'appelle Open Phosphéa, donc déjà un nom super, super original. Et l'idée, c'est de promouvoir la convivialité au sein de la filiale en faisant intervenir donc l'ensemble des collaborateurs lors d'un tournoi de tennis. Après quelques jours au sein du groupe, se retrouver en short sur la plage pour participer au RGO, c'est plutôt quelque chose qui m'a marqué. De gros, gros remerciements à mes coachs et à mes supérieurs qui m'ont accompagné et qui m'ont permis de grandir à travers cette expérience. Un remerciement profond et sincère à mes deux coachs, Jérémy et Delphine.